derniers, Daft Punk, 40 ans à eux deux, des années de galère dans leur cuisine, et puis le tube, les concerts, la surenchère des majors, tout ça avant même d'avoir sorti leur premier album. Nous, on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques. Finalement, Paris a réussi à faire son